Ok. Donc pour faire suivre le thé gourmage, donc je rappelle ce que j'avais montré la dernière fois. Donc 1, 2, je passe derrière. Ok. Cette fois-ci, je vais mettre la tête sur le torse. Alors je vais changer d'angle là. Hein. D'accord. 1, 2, et la tête, elle vient coller ici. Boum. Et le step, il va rentrer derrière le genou. Rentre, boum, ici. Et après, je serre, ferme le coude et j'avance vers lui. Boum. Et je colle tout de suite la demi-garde. D'accord? Donc ça, ça va me permettre après d'aller travailler sur la deep half guard pour l'autre. On va changer d'angle. Donc je suis ici. Fais 1, 2, step direct derrière. Contrôle l'anche. Boum, cassé. Je rapproche. Bam. Boum, j'ouvre à la fin. Et après, je colle la demi. Force sur le haut. D'accord? Ceinturé. Fermé. Boum. Ce qui est important ici, c'est que quand je viens changer ici, je vais pas juste poser la jambe. Mon genou, il va pousser derrière son genou. Devant son genou. D'accord? Il faut que je lui fasse faire ça. Pour que ça soit difficile pour lui de récupérer sa jambe. D'accord? Et après, hop, je viens fermer ici. Ok? Et l'action, c'est je serre les coudes. Boum. Et je pousse avec la tête.